Commencer. Alors. Hop. J'ai pris une décision aujourd'hui. Soit ça se passe bien. Bonjour. Soit on quitte cet escape game. La caméra, bien sûr. J'ai fait des modifications. En fait, je voulais faire. Je voulais faire une blague qu'on a avec Nibbler. Pas fini. Donc, Baldur's Gate. C'est parti. Donc on est dans la tour de Durlag, justement Clem Lelu est là pour justement nous aider. On a fait un partage sur Discord de plusieurs des énigmes que les personnes autour de nous nous donnent. C'est possible qu'on ait déjà quelques réponses dans nos poches, mais il faut vérifier. Alors attendez, je vais essayer d'optimiser de façon à ce que je puisse lire le chat et en même temps notre Discord. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on va regarder nos poches déjà. Je pense qu'on va faire ça. Alors, on a trouvé un interrupteur de moteur. Donc du coup ça c'est possible que ça nous aide, mais pour pouvoir avoir accès à quelque chose. Là, il y a l'air d'avoir que des potions. Et là aussi. Là, on a un anneau d'or, mais je pense que c'est pas ça qui va nous aider. Là, pas grand-chose de plus non plus. Et là, on a quelques plates. Voilà, c'est des trucs qu'on a trouvés sur le chemin. La mur de plate, ouais. Donc du coup, c'est possible que ce soit ça aussi. Bon, bref. On va voir si ça fonctionne. Mais je pense que entre toi et Raving Bell, vous avez sans doute trouvé quelque chose. Donc, la première, je crois que c'est celle-ci. Je dors toujours. Donc ça c'est « Je suis le fléau du guerrier, je vis dans l'obscurité de son âme, je le mets à genoux tremblant et sanglotant, incapable de lever une main pour se défendre. Pourtant, je dors, réveillez-moi. » Donc ça, alors attendez parce qu'il faut que je fasse des micro-sorties de... Donc, oui je suis blindé, ouais. Je rappelle qu'on ne claque pas de... On ne claque pas ici dans le... Comment ça s'appelle? Dans ce qu'on appelle la potion. Donc ça, c'est... Clem Lelu nous avait proposé épée. C'est possible que ce ne soit pas ça encore, mais on va voir si on trouve une épée qui peut nous intéresser. Je viens de remarquer, je ne sais pas pourquoi le logo a disparu. Peut-être dans les modifications, le logo a décidé de partir. Plus voir pourquoi le logo. Ah. Ah. He is missing. Ben non, c'est pas sûr. Du coup. Ah ouais, il a disparu totalement. Ah, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, écoutez, ça sera une partie sans logo. De toute façon, il est marqué un peu partout 13 bits. Je pense que ça devrait aller. Je mettrai en fin. Un round de radin, en gros. Exactement. 200 balles pour la potion. Faut pas abuser non plus. Hein. Vous n'avez pas encore ce que j'exige. Eh bien oui, j'avais bien compris. Je suis la folie du guerrier, je l'affiche. Alors, on avait fait un truc. J'avais commencé à faire un truc. C'est que je l'avais un peu dégenré parce que c'est guerrier, apparemment, c'est que des hommes dans ce jeu. Ouais. Donc j'avais mis tout au pluriel, comme ça c'est plus rapide. Je l'ai maudit avec confiance et respect. By stealing his passion of fraud. Donc du coup. En volant sa passion pour le sang.
ses passions pour le sang et en offrant en retour des sentiments plus cléments. Pourtant, ma soif est encore plus grande. Donnez-moi la boisson douce et cramoisie du rire et de la passion. Donc ça, il y a eu une réponse que je pense que c'est ça aussi. Donc ça, c'est comme Lulu, tu nous avais dit armure ou bouclier. Je pense que je suis plus team Raving Bell sur le coup. Je pense que c'est du vin. Pour la fin, au moins. Donc ça, c'est du vin. Et la deuxième, tu disais, c'était de l'or pour toi. Donc on va voir la deuxième. Ah! On a résolu l'énigme, comment ça? On l'avait déjà dans les poches? Mais du coup, c'est quoi? C'est une pierre précieuse? C'est quoi le Belrugging? Attendez, on va charger. Ah non, attendez. Charger. Charger. Mince, une énigme, voilà. Il a dit le Belrugging sortiant. C'est un truc qu'on a dans les poches. Peut-être ça. On va checker. Anneau, non. Bon. Ouais, je pense qu'on est tout le monde est d'accord sur le coup. Gemme de lance. Perle, opale d'eau. Donc, du coup, attendez, parce que ça c'est la deuxième. Je maudis son passé, le plus y elles ont, le moins il me semble. Et elles deviennent esclaves de ces choses qui brillent. Pourtant, j'ai la dalle. C'est quoi? Ah bah c'est ça! Peut-être pour n'être qu'une simple coïncidence, elle a peut-être une signification, peut-être même un but. Celui qui en prend possession a la sensation désagréable qu'il vaut mieux ne pas la vendre et la garder quelque temps. Je sais pas pourquoi, c'est scintillant, d'accord, ok, bah du coup c'est toi la Varys. Ok, prends. Ok, donc ça c'est bon. Je suis le destin des guerriers, je les élève au-dessus de ces ADF, j'amplifie ses actions. Il devient méprisant, Yael devient méprisant alors que Kiel était respectueux, Yael devient géant alors qu'il n'était qu'humain. Je crois que c'était ça que j'avais mis. Attendez, je vais préciser parce que... Ouais, que des humains. Deviennent des géants. Non. Pourtant, je manque d'honneur. Il me manque pourtant le véritable honneur. On l'a traduit de l'anglais, donc il n'y avait pas de nom... non-spoil dans notre côté. Enfin, de là où j'ai trouvé. Où il y a... En français. Ça spoilait direct. Donner les réponses. Élevez-moi dans la gloire, dans le récit de mes faits d'armes. Ma fierté sera honorée par la transmission du savoir. Mon épée montrera ma gloire. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Donc, je ne veux pas y prendre part. J'ai suffisamment été spoilé pour savoir que ça va engager un combat. Donc, j'ai pris une décision. Cette décision-là sera soit on passe au niveau 2. Et ça se passe bien dans le sens où on roule sur tout le monde. Soit on se dit que le niveau 2, c'est vraiment pour pouvoir qu'on gratte du temps et faire comme si le jeu avait augmenté, alors qu'en fait, non, pas du tout. Facile. Je soupçonne que ce jeu-là est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté le game en rajoutant un escape game dedans. Ça, c'est aussi un spoil, c'est qu'il y a un truc ici. Voilà. Il y a des potions en plus. Il y a de la potion. Est-ce qu'on peut prendre de cette potion-là, s'il vous plaît? Moi, je m'en vais. Une tâche facile. Par ici!
pour distribuer les potions comme ça. Hop, bim. Que vous pensez que cette manche, cette alors voilà, manche de Méoche, ce bâton doré était autrefois un manche. Alors qu'est-ce qui pourrait fonctionner avec ça? C'est pas ça déjà. Dors toujours. Ok, donc on a un manche plus un bout de truc pour pouvoir ouvrir des portes. Alors attendez, parce que ça c'est intéressant ça. On a déjà trop de flèches. Je pense qu'on va pouvoir abandonner la fronde. Hein. Pas plus tirer le frondier là, je sais plus comment on dit. Oh là là. There is no no arc with this flash. Oh là là, mon dieu. On va le poser vite fait. Bip. On stack. On peut pas stack parce que c'est pas identifié. Oh. Aucune idée, ouais, la manche c'est compliqué. Et après, bah du coup, on l'avait dit, hein, faut se balader. Donc voilà. Et clairement, je pense qu'il y a un truc du côté de la... d'ici, parce que le piège, il se désamorce pas, donc logiquement, ça devrait être là. Il devrait y avoir un truc ici. Vu que le piège ne se désamorce pas du tout. Ah, ce piège-là ne se démarre jamais. On va revérifier. J'en ai assez. Piège ne se désamorce pas. On va envoyer quelqu'un qui peut prendre les coups et mourir en même temps. On joue dangereusement. Une tâche Allez. Facile. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Je crois que je l'ai envoyé, mais en fait, il a pas de place dans ses poches, je crois. Ah si, il a pu stacker, ouais, du coup, ok. Ça, c'est bien, il a pu stacker ses flèches, là. Par contre, ce serait bien de prendre d'autres flèches. Genre celle-ci, non? Est-ce que je peux les envoyer à quelqu'un, là? Non, non. Comme ça, on a maximum de flèches. Alors, en gros, si on a l'objet, l'énigme est résolue. C'est simple, il suffit de tout le ramener et hop, t'as un manche et une forge. C'est ça. Ah, c'est vrai que j'ai... Ça, c'était totalement gratuit. Hein. Tâche facile. On a décidé de la jouer dangereuse, c'est tout à fait logique. Donc du coup, il faut envoyer quelqu'un qui désamorce les pièges de l'autre côté. J'aime bien le... Dites bonjour à 12 bis qui m'a marqué que je suis mort 34 fois. Vous êtes une bien étrange Attendez, je vais me faire de la place dans les poches parce qu'il faut que je ramène des trucs. Prends ça. Ça? Non? Ok. Bon. Bah, on y va. J'en ai assez! Aide me. Maintenant. Là, normalement, on prend un coup. Et logiquement, on meurt. On peut faire dodo, d'après vous, en étant séparés. Non. Non, non, non. Ah, mais j'allais le voler lui. Non, non, t'es pas obligé de le voler. Hein. J'ai besoin de soins pour m'en sortir. Plus touché que je ne le pensais. Moi, je propose on fait dodo ici. On est tous là. Pourquoi vous prenez la tête? Ah non, c'est fait. Il y a un bug. Regardez-moi, Razad. Razad, il bug. Ah, ça y est. Attendez, Razad.
Razad. Mais tu n'as rien, Razad. Qu'est-ce qu'il a, lui? T'es devenu un personnage non jouable d'un coup, là? En sortant de la map? J'en ai assez! Je vais avoir mieux vaut essayer de gagner cette bataille pendant que toutes les chances sont encore de notre côté! Ah, il panique. Ok, donc du coup, je peux pas le choper, c'est ça? Ah, y'a pas que lui qui panique. Ok. Bon. Si je me mets là, que je peux faire dodo? Est-ce de la triche de faire dodo ici? Ha 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 ha. Et bien sûr, ça a fonctionné. Lol. Oui, bien sûr. Non, non, non. Non. Mais je savais pas qu'on était tous sélectionnés. J'ai pas fait la bêtise tout seul. Hein. Alors, est-ce qu'on peut désamorcer ça? Je ne pense pas. Voilà. Donc on est obligé de le prendre le coup. Ok. J'ai remarqué que t'as ça dans les mains, c'est pourquoi ça? Dague de jet? Ouais. Un peu extrême. Ça pour ça. Ça vaut rien du tout. Ah ah! Vous n'avez pas les pièces à réparer? Je vais aller chercher les pièces à réparer. Alors, on va rester ici. On va les envoyer à qui de droit? Non. Okay. L'épée courte, je pense qu'on peut l'abandonner. Hein. En vrai. Et vous pouvez me donner le manche. Voilà, merci. Et je te donne en échange potion de blocage de magie. Et vous me donnez l'interrupteur. Pour voir si on peut faire quelque chose. Je n'ai pas les pièces à réparer. Je pense que ça n'a rien à voir. Bon, voilà. On aura fait tout ça pour quelque chose. C'est-à-dire pas grand-chose. On refait dodo. Pour la triche. Ouah ! Attendez, attendez. Mais pourquoi elle est à main nue, elle? Ah, mais parce qu'elle est prête, c'est ça l'histoire? J'en ai assez. Oh non, 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 non. Ne... pas le... Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Alors, tant mieux si ça va mieux. Non mais là c'était abusé quand même. Ils ont tous accouru parce que c'était le dernier vivant. Alors que ma technique était impressionnante quand même, la technique de je ne passe pas ce piège, ça m'évite de prendre des dégâts. Oui bien sûr. Là, hop. Alors, mettez-vous là, loin, très très loin s'il vous plaît. Merci. Là, maintenant, tu peux t'approcher. Voilà. D'ailleurs, tu peux faire quand même un peu... T'as quand même du soin, hein. Genre, du soin un peu fat, en plus. On va pouvoir voir combien de PV tu donnes. 14, pas grand-chose, oui. Hein.
Pas grand chose. Bon. C'est fait. On a bien compris qu'ils nous en voulaient. Oh non, une éclipsante. Oh, tout ce que j'adore. Quand même deux sorts hein, de guérison pour Dorn. Non, mais l'astuce était fonctionnelle, mais c'est juste qu'il nous en voulait. Et ça marche pas son truc à Dorn là. Dans la forge, ouais, en fait, alors, moi, je pense qu'il y a des trucs à réparer, mais quoi? À part peut-être une épée cassée, donc on va aller voir l'épée de Durlag, là. Et on va voir. Non, mais j'ai froid depuis ce matin. Les courants d'air, là. Bon, c'est là, là, l'épée de Durlag. Mais je crois qu'il y a des pièges sur tout le chemin, ici. Une tâche facile. Après, on a... C'est vrai que... Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Je sais pas quoi, trop quoi penser. Donc oui, j'ai dit, bonjour, Van Tempête Dota. J'espère que tu es là pour rigoler, je vois. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que... vu que c'est un escape game, moi, je soupçonne que c'est vraiment pour pouvoir faire genre... on fait quelque chose... dans ce jeu. Donc, je me suis dit, tout simplement... Oh non, mais cassez-vous, en fait. Je me suis dit, tout simplement, bah, en fait, on va se barrer d'ici, ça ne sert à rien. En plus, on n'est même pas sûr d'être au bon niveau. Tu peux pas mettre des... Attendez. Tu peux pas mettre de texte? C'est... j'ai mis Emotonly, là. N'hésitez pas à me corriger si j'ai fait une faute. On peut pas prendre cette bague, là. On est plein. Parce qu'on a tué trop de monde. Ah non, c'est bon. Sans voleur, c'est hard. Mais on a un voleur. On a Imoen. On a un voleur. C'est juste que... bon. Elle a décidé de pas travailler aujourd'hui. Bah, c'est compréhensible. On peut pas constamment lui demander de faire tout le boulot. À vos ordres. Alors qu'elle a du mal à déjà ouvrir des coffres. Une tâche facile. Et moi je suis roublard, donc logiquement, voilà, donc là on va... Ah oui c'est ça, il y a un sort... là il y a des trucs aussi qu'on n'a pas ouvert. Hein. Je peux mettre du texte. Non mais c'était juste pour être sûr, mais je... Parce que Vent de Tempête a fait des... Imo merde. Mais non, mais elle est sympa. Elle est sympa, c'est juste qu'elle a du mal à ouvrir les coffres, hein. C'est tout. Nous on prend tous les bras cassés de Baldur's Gate de toute façon. C'est comme ça qu'on joue. Bon là il doit y avoir des trucs mais vu qu'on les a pas lus et qu'on a pas envie de les lire, je pense que ça va nous servir. Il y en a 4, potentiellement ça peut nous aider. Où j'aimerais être. Les bêtes malveillantes, il advient que le héros et son âme... Alors, regardez bien, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on lit le... Quoi? Vous avez glorifié mes faits d'armes, mon épée est éblouissante de fierté. Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? En lisant les textes, tu as débloqué les... Non! C'est honteux. C'est honteux. Je suis désolé, hein. Là, nous, on était en train de faire des énigmes, en se disant, oui, bon... Ah non, passe pas!
Passe pas par là, mais pourquoi tu veux passer par là? C'est l'enfer ici, pourquoi tu veux faire ça? Elle va mourir. C'est peut-être druide. En plus, elle a trouvé une éclipsante. Oh là là. Les quatre... Oui, bah oui, mais ça on sait. Mais le truc, c'est qu'on est... on essaye de deviner les énigmes, un peu comme Professeur Lightroom, you know? C'est pour ça que je l'ai appelé cet épisode Professeur Durlag. Enfuyons-nous de cette... Mais quoi? Est-ce que t'as de quoi... t'en sortir? À part bouffer des potions sur le chemin. J'ai si froid. Okay, faites quelque chose. Tu peux t'enfuir aussi. Kaira, elle fait quoi? Tu veux pas remonter? Ah, c'est bon? L'éclipsante là qui traverse la moitié de la map là uniquement parce que elle fait du follow personnage? C'est quoi cette histoire? Donc, oui, on est au moment de ces énigmes là, mais moi je pense qu'on va pas aller outre que le deuxième niveau. Hein. Je pense qu'on va. Mais pourquoi vous passez par là? Arrêtez de faire n'importe quoi! Ici! Ouais, on en a déjà une de résolue, on sait pas comment, on avait pillé quelque chose, c'est fait. Quelque part. Alors du coup, la fierté c'était qui? C'était toi? Enfin bon, casse-toi, si tu dors, fais dodo, hein. Bah, tant mieux. On veut juste aller au deuxième niveau, hein. Nous, à la base, c'était ça, hein. C'est bon? L'orgueil. La malédiction de cet endroit, bah super. 2000. Oui. On prend les points d'expérience, hein, bien sûr. On est là pour ça. Donc, il nous reste les deux autres qu'on avait décidé que c'était... Alors, attendez que je vérifie. Soit de l'or, je crois, et l'épée, c'est bon. Et du vin. Peut-être du vin. On a trouvé la manche. Tu l'as donné déjà fait... Tu l'as donc déjà fait, ce jeu. Oui, j'imagine que Van Tempête Dota a déjà fait ce jeu. Donc fallait lire le lore. Énigme tout à fait nulle. Pourquoi Irazad il est pas là? Et maintenant, alors, pourquoi Irazad tu as décidé de ne pas venir? I understand. En plus, il y aura forcément une araignée éclipsante uniquement pour toi, Razad. Viens. Bon, on refait le tour, hein, du et coup. Maintenant, hein. Où? Alors. De mémoire, il y a des pièges aussi ici, mais il y a une porte. C'est fait. Donc, on va envoyer notre. Notre personnage qui découvre les pièges, mais qui ne les utilise pas. Hop. Verrouillé. Crochetage de serrure raté. Raté. Regardez-moi tous ces jets. Advance donjon et dragon. C'est comme ça. Lol. Haha! Est-ce que l'arme brisée va nous servir? Je soupçonne que oui. Allons voir si on peut réparer les armes. Vu qu'il y a eu la même attaque que à côté de la forge, je soupçonne qu'il faut aller à côté de la forge. Avec les 6 CD, oh là là. On essaie exprès pour ça. Bienvenue dans le retour de Baldur's Gate GOTY 97, bien entendu. Nous, nous allons faire le vote à la fin. Est-ce que c'est bien le GOTY 97 ou pas? C'est encombré, d'armes. On va faire dodo déjà. Sachant qu'on va se faire attaquer au réveil, bien sûr. Et après, on va traverser les pièges pendant le combat. Parce que, bien logiquement, il faut bien enchaîner notre mort. Voilà. Je vais annoncer, hein. Ça va se passer. Voilà. On sauvegarde. Là, ça va, c'était que des squelettes. C'est que des squelettes, donc on n'a pas pris de coup, je crois. Merci. Imoen. J'en ai assez. Toi qui es très doué pour traverser les espaces et bien sûr ne pas désamorcer les pièges, on le remarque, hein. Tu vas traverser
avec ce que tu as dans les mains. Une tâche facile. C'est-à-dire l'épée brisée, et on va voir ce que tu nous fais. C'est-à-dire rien. On va aller là-bas pour que dalle. Voilà. Merci. Merci le jeu. On se retrouve. Tâche facile. J'adore. On revient sur nos pas. C'est-à-dire ici. Tâche facile. En espérant que les autres ne passent pas par le chemin de l'enfer ici. Ah, mais il y a des trucs là ? Non. Oh, il y a un tonneau qu'on n'a pas ouvert. Oh non, dans cette salle c'est l'enfer en plus. Ah ! Lâchez-y. Bon, on y est. Ok. Maintenant, on doit traverser ce truc là. Je crois qu'il n'y a pas de piège parce qu'on a déjà tout sauvegardé. Hein. On a tout défoncé donc. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a celui-ci. vite, traversez vite. Voilà, donc ici il doit y avoir quelque chose parce qu'on a levé laissé la clé. Vous vous rappelez, par terre. L'idée est bonne, mais ce n'est pas cet objet qu'il faut réparer. Je me doute bien. On va ouvrir tout, bien sûr. Là. Dans la garde-robe. Ok, du raisin. Mmh. On avait dit qu'on prenait pas les trucs parce qu'on a, bien sûr, pas d'envie spécifique de lancer des sorts. Et là, il n'y a rien. Donc, on va envoyer Imoen vite fait. Aller voir là-bas, parce qu'en vrai... On avait tué pas mal de monde ici, et on avait regardé qu'il y avait plein de choses. Et on n'avait jamais rien pris, parce qu'en fait, on était déjà blindés. Voilà, par exemple là, ça tombe pas dans ce qu'on veut. Ici, il y a des pièges, et après, il y a le coin de « on fait du sport ». Et apparemment, il n'y a rien de cliquable. Donc, ce n'est pas ici. Là, il y a la machine. On n'a jamais vu. Pour l'instant, on est dans Fallout, hein, rappelez-vous. Les portes qui sont cliquables, ici, il n'y a rien de cliquable. Bon, là, il y avait les enfers, rappelez-vous. On va sans doute revenir ici, en fait, hein, à la fin, mais pour l'instant, on n'y est pas. On va essayer de passer là. Voir ce qu'il y a dans les tonneaux. Non, mais tu sais que tu pouvais juste traverser cette... voilà, tu vois. Non, mais... Toujours ? Non ? Tu peux pas passer ? Pourquoi ? Bon bah, ainsi soit-il. Hein. Tu cours ? Ce serait pas mal si tu courais. Là, il y avait quelque chose ici. Ah ah ! Encore une arme brisée. Et une identification. Prendre l'identification parce que ça se trouve, on peut identifier des trucs. Peut-être qu'on va découvrir qu'on peut. Ça, on en a pas besoin, l'épée courte, on s'en fout. Deuxième arme. Les choses par terre. Prenons. Les trucs d'identification. Et essayons de voir si on peut identifier des trucs. Alors. Peut-être pas toi, du coup. Quelqu'un d'autre. Les billes, on les a utilisées un jour ? Je crois pas, hein. On les a utilisés au début, et après on a arrêté. L'idée est bonne, mais ce n'est pas ça. Ouais, donc, j'ai relu le même message. On va trouver. On va les refaire passer en haut, hein, parce qu'en vrai, c'est pas du côté de là où il y a quelque chose, parce qu'on n'a rien trouvé ici. Oui, bien sûr. Après, logiquement, c'est le safe passage. Ah non, mais qu'est-ce que vous faites? Je peux toujours... Arrêtez de passer par ici. Il va me falloir un guérisseur au plus sûr. Ça, c'est le safe passage, normalement. On peut passer par ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les araignées éclipsantes, quand même. Moi, je m'en vais. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. C'est fait. Vous êtes une... Moi, je m'en vais. Fais du sport. Ah, mais moi, je suis pas team... Le sport, c'est de la torture. Hein. Ça dépend pour qui, surtout. Ah ! Une épée à deux mains non identifiée. Mais j'ai ramené les trucs à identifier.
Yes. Est-ce que je peux donner ça à quelqu'un qui peut identifier Georges A1? Oui. Peut-être que tu peux. Si ça se trouve, tu ne peux pas. N'hésite pas à nous le dire. Voilà. Donc ça nous sert à rien. Jetons ça. Ah là 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 là. Oui, j'ai appris, oui, donc dans le spoil que j'ai appris, c'est qu'il y a une tour, il y a un endroit spécifiquement pour les basiliques. Je crois qu'on va bien s'amuser. Hein. Je crois que le jeu a décidé de s'amuser avec nous. J'adore. Surtout qu'en plus, ça... Oui, mais on s'en fiche. Nous, on prend pas les intellectuels dans ce jeu. Nous, on a décidé de pas jouer intellectuel. Enfin, c'est une autre manière de dire qu'on joue pas les lanceurs de sorts, quoi. En tout cas, ça va, hein. On s'en sort bien pour l'instant. Ouais, du coup, on n'a pas bien visité cet endroit-là. Incroyable. Allez. Ah bonjour, araignée éclipsante. Mais tu peux partir derrière si tu veux. Vas-y, va derrière. Nous, on va en bas. Hein. Vas-y, on t'attend. Encore un saut. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. J'avais regardé Advance Donjons et Dragons, mais je ne sais pas si c'est... Yes, 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 I love it, I love it. Ah non, on va essayer de se débarrasser de des petits trucs là, parce que... J'aime bien avoir les poches pleines, mais si on peut se débarrasser des trucs qu'on n'identifie jamais... Ah c'est ça, Advance Donjons et Dragons. Et, oui, du coup, j'ai montré la bonne image la dernière fois. En disant c'est le basilic de la page officielle de Advance Donjons et Dragons. Par ici. J'adore. Ma vie pour un crochetage réussi. Hein. C'est fait. Bon là on n'avait pas lu les livres parce qu'on n'est pas très 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 lecture. Hein. Mais bon, moi, je m'en vais. On va faire comme si, hein. Il n'y a rien qui nous intéresse. Si, il y avait des trucs d'invocation des monstres, là, mais on les a jamais pris. Vas-y, on va lire. J'ai lu. Pourquoi j'ai pas pris ça? Non. Voilà, on a lu. La nourriture du cerveau, tout ça. Peut-être qu'il va dire que ça y est, il a plus faim l'autre. Regardons. Si elle rate, c'est qu'elle réussira jamais car son jet n'est pas suffisant. Il y a des potions qui augmentent temporairement les jets pour les voleurs ou sinon pour monter de niveau. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, on n'est pas dans, ce système de jeu là. Nous, on est dans le système de, on est à distance et on tire. Ah oui, j'avais oublié qu'ils étaient toujours vivants. C'est pour ça qu'on n'y est jamais allé en fait. LOL. Attendez, il y a les doppelgangers qui ont décidé de revenir. Allez, on refait la blague. On refait la bug de la dernière fois. C'est-à-dire, c'est le meilleur endroit pour ne pas se réveiller sans problème. Et en plus, on essaye de taper les doppelgangers à distance, rappelons-le. Avec Roland de la Tour-Bresson, bien sûr, parce qu'on aime jouer dangereusement. Oui, bon, bah voilà. Avec des trucs qui sont pas identifiés, mais qui sont des flèches. Donc du coup, on va dire que c'est identifié, hein, bien sûr. Ah ah. Peut-être deux. Bienvenue. Moi, tu m'en veux. Oui, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Your wish? You wish? I understand. C'est comme si c'était fait. Et si on faisait un Kamamea avec Razad pour voir? Tu peux te cacher dans les furtivités? Ouais. On va essayer de faire un Kamamea sur leur tête. Kamamea! Ah! Ça n'a pas marché, pourquoi? Salut Raving Bell, bon matin. Attendez, on est en pleine bataille épique, bien sûr. En plein milieu de ces livres. On n'avait pas un truc de Jaera qui bloquait les lanceurs de magie, là?
C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Allez. Jaira, si tu peux bloquer ce lanceur de magie. Razad, tu peux t'enfuir. Hein. Voilà, le Kamehameha dans sa tête. À distance, bien sûr. Faisons une petite bénédiction pour pas du tout être dans la bourrinade, bien entendu. Oui, les convocations d'Asek. C'est vrai qu'on n'a pas essayé ça non plus. Vu qu'on a découvert les sorts récemment. Regardez-moi, stratégiquement on y est. Stratégiquement on était là. Il est en panique. Laissez-le. Voilà. C'est fait. Regroupement. Oui. Donnage de vie. Figure autoritaire omniprésente. Ah non, mais ça c'est bénédiction, on s'en fout. Donnage de vie, s'il vous plaît. Perdu la vision au moment de lancer la... Quoi ? Non. C'est honteux. Et t'as le temps de lire ce qui est écrit ? Je suis pas du tout noob, Clem Lelu. Je te rappelle que j'ai au moins 25 heures de ce jeu. Je vais faire un shootout à Raving Bell, attendez. Ah, il revient. Attendez, peut-être qu'il va se faire bomboclat dès qu'il va revenir. Donc, hop, je fais un shootout vite fait. Voilà. Allez voir Raving Bell qui, la dernière fois, a fait du rangement, je crois. Et en ville saga, mais je n'ai pas vu ça en ville saga. J'ai vu Unpacking. Ouais, surtout que moi j'y ai joué, mais je crois que je me suis arrêté là parce qu'en fait j'en avais marre. Le jeu est un peu long et pas très intéressant en vrai. Mais ça donne envie, tu vois, maintenant que j'ai un personnage qui donne envie de rester en vie. Après, moi c'est vrai que je suis pas fan du style, donc regardez. Là, lui il est en panique. Moi j'ai pas envie qu'il les attaque, mais regardez comment ils réagissent. Ils sont tous agressifs, regardez. Ah. L'autre est un peu plus violent, on peut le laisser partir. Hein. Voilà, laissez-le. Voilà, s'il vient, il vient. Si vous voulez bomboclatez-le. Mais faites ça bien, s'il vous plaît, merci. Le tour de Durlag est l'endroit le plus difficile. Non, bah on va s'enfuir, hein, je pense. Hein. Moi j'ai dit, hein, mon choix c'est, est-ce qu'on arrive au deuxième niveau? Si on arrive au deuxième niveau, ok. Si on n'arrive pas au deuxième niveau, eh bien c'est fini. En ville saga, tu joues un patron de forge qui engage des bandits pour intimider ses employés afin de ne pas les payer. Ah ! Ah ! Ça a l'air bien comme jeu, dis donc. Et oui, j'en suis qu'au début, j'en suis au premier niveau. Exactement. Pas du tout dans ma dépression. Bon, on va re-envoyer Razad faire des Kamehameha à distance. Il a perdu, il a fait... Non mais, arrêtez de le regarder quand il essaie d'être en furtivité. Il faut détourner le regard. Et comme ça, il se cache. Voilà. Il est où le deuxième? Mais, t'es pas obligé de quitter les ombres hein, pour pouvoir le taper. Hein. Hop, c'est bon. On a compris ce que tu faisais, Razad, c'était très bien. Allez, tu peux revenir. Hein. Mets-toi derrière nous. Et je ne veux pas y prendre part. Ah bah super. J'ai tout à fait envie de continuer. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, hein, on va abandonner, je pense. Je ne suis pas du tout dans ce genre de système de jeu. Roland de la Tourbosson, tu peux être derrière, hein, par contre. Hein. Une tâche tu es facile. À distance. Rappelle-toi. Oui, bien sûr. Ah ! Oh non ! Oh non, les araignées en peine, c'est chiant de ouf. Oui, bien sûr. Voilà, on se stack dans un coin, en attendant. Vous êtes une bien étrange personne. Et tous les autres, si vous voulez bien y aller au cac. Est-ce qu'elle va réussir? Elle va réussir à faire quelque chose. Elle a touché. Elle a réussi à lancer son sort, hein. Coup critique paré. Mais comment elle a pu parer ça, là? Elle a eu 20 direct en attaque. En touché. Oh,
Subit un point de dégâts perforant infligé par araignée. Ça va, un point, ça va. On est niveau 5, je crois. Attends, on va regarder. Quel niveau on est? Niveau 5. Je pense qu'on va y arriver. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va y arriver. On est là du tout à fait pour y arriver, de toute façon. Est-ce que tu apprécies déjà cette technique du tactical sleep to heal que j'emploie afin d'avancer? Bien entendu. Est-ce que tu peux lancer des Kamehameha encore? Ouais. Tu l'as pas lancé tout à l'heure, le Kamehameha de la rayon de la conscience solaire. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Ah, il y a le soleil qui commence à m'éblouir. Attendez 2 minutes. Moi, je joue beaucoup de mage. Ah, mais nous, on a décidé de pas jouer mage. Là. C'est trop fort parce que justement, on te pousse à avoir le... Bah, comme dans le film, hein, il l'explique. Hein, et on te pousse à avoir une sorte de groupe qui est plus ou moins équilibré. Alors qu'en fait, on sait tous qu'on a toujours joué des bras cassés dans les jeux de rôle. Donc, moi, je suis team bras cassés. On est team, on attaque, on recule. Minimum. Oui, j'ai cru comprendre que c'était un moment dur à passer. C'était un moment dur à passer ici. Alors, par contre, juste, tu peux t'équiper de flèches, bien entendu. De flèches qui font mal, s'il te plaît. Parce que tu es quand même fléché en chef. Ça serait con de pas les utiliser. Oh, c'est bon, on l'a eu. Collier d'or, on s'en fout. Ok. Oui, bien sûr. On met ici. On envoie. Allez, on tente le diable. Oui, on va renvoyer Roland de la Tourbresson. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Rien à voir en plus. Allez, déclenche un piège qu'on rigole. Wow, je suis mort. Direct. On sait même pas ce qui s'est passé, à part le piège qui s'est activé. Ah, dégâts subis 68. C'est nul de ouf. C'est nul de ouf. Tu vois, je me suis dit, hein, ouais, piège annoncé, c'était sûr. Voilà, maintenant va désamorcer le piège qu'on rigole qu'on peut pas désamorcer. Bien sûr, 68 points de dégâts. Comment tu veux qu'on comprenne ça là dans la tête? Bon, on va devoir envoyer toi, là, au niveau de la vie, ça a l'air d'aller. S'il n'y a pas, on va tenter. Choix. Tu vas sans doute mourir salement, quand même. Voilà. Tout ça pour lire. Bien sûr, le deuxième piège. Malheur à vous, Khalid. Si vous mourrez, je vous désolé. Jure que vous n'en connaîtrez désolé. Pas la le, fin. Le jeu, il veut vraiment pas qu'on joue à ce niveau-là. Je ferai ça donne pas envie de jouer, en fait. Je comprends pas à quel moment c'est censé être marrant. Ah, mais voilà, on a la tête du maillet, donc on a la maillotche. Si on a la tête de maillet. Faut juste survivre à ça. Mais tout va bien, hein. Ah non, mais non. Pas besoin là, de toute façon c'est pas Roland de la Tourbresson. S'il n'y a pas le choix. Là. Hop. Ha. Ha. C'est bon? Vas-y, redeuxième fois? Non. C'était moins marrant du coup. Je pensais qu'il. Bah on a le maillot. Du coup, on va se débarrasser de. Ah non, le cœur du golem, ça peut être intéressant. On va se débarrasser d'un truc, je ne sais pas quoi. Opaldo, perle. Non mais ça nous ramène de la thune. Je crois qu'on n'est pas assez riche. L'anneau d'or, non plus. En invisibilité. Bon. Ah, je suis trop loin. Allez, hop. On va donner ça à Dorn. On va aller à la forge. Dorn, est-ce que t'as de la place? Non. Peut-être qu'il faudra aller vendre. Mais il n'y a pas de marchand dans le coin, donc c'est pas très intéressant. Fer contaminé, on va le garder. Hein. On sait jamais, peut-être qu'on va avoir des preuves à présenter à la fin. Maintenant qu'on s'est débarrassé de tous les parchemins.
Oui, on va donner toutes les... Voilà. Frangère, hein. Les colliers. Les bijoux. Ok, c'est qui est allé chercher? C'était toi. Tac. Tac. Voilà. Je peux même prendre ça si on veut. Sauvegardons. L'armure d'or, c'est l'une des meilleures du jeu. Normalement, tu peux la porter même si pas identifié à la place de ton armure feuilletée. Eh bien, sache que nous allons l'identifier d'abord. Parce que je rappelle, hein, beaucoup de choses sont portables et d'autres sont maudites. Bah, si on peut quand même accepter les 26 rebonds de l'éclair. Je suis désolé, là, moi je trouve que. Attends, pourquoi même hermaphrodite c'est considéré comme bullying? Pourquoi? Pourquoi ça la ceinture hermaphrodite? Une tâche facile. Il y a un truc comme ça, moi. C'est ça, là? Bah non. On n'a même pas de chaussures. À quel moment on aurait des ceintures? C'est quoi ce monde où on n'a pas de chaussures, on n'a même pas de ceinture? Tu veux qu'on... Je te rappelle qu'on est cul nu, hein. Le principe, c'est d'être cul nu dans ce jeu. On a même pas de pantalon. Regardez bien. Pas de pantalon. Pas de pantalon. Mais des chaussures. Là on a nos riches ont des chaussures. Là, pas de pantalon, pas de ceinture, rien. Ah non, bah non, mais si tu commences à parler de trucs qu'on n'a pas, là c'est compliqué. Bah non, bien sûr que non. Non, 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 nous on joue le jeu tel qu'il nous l'a été dit, c'est-à-dire quand il nous crache dans la bouche à moitié, parce que c'est un peu ça en vrai. Là, ce qui s'est passé à la prison, je trouve que c'est juste l'enfer. Et voilà, bon, tu peux pas, tu peux. Imoen, je t'apprécie beaucoup, mais tu peux aller ailleurs en fait. Tu peux aller ailleurs. Vraiment. Tu peux vraiment aller ailleurs. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut trouver des chaussures au moins en cuir, histoire qu'on puisse marcher dans la gadoue? Bah oui, mais les gens, ils font pas tomber les chaussures. C'est fini, là. On a récupéré des scalps, on sait même pas quoi en faire. Ah si, on les a vendus, maintenant. On va devenir riche, hein, mais... À quel prix? À quel prix? Bon, il faut envoyer Dorn en réparer le truc. Il doit être un peu dégoûté, Dorn. On avait commencé sa mission et au final, on a dit, bah en fait, on va aller à la tour. Non mais tout va bien! Maillage à gong est maintenant réparé et prêt à fonctionner. Bah c'est bien. J'apprécie. Non, il n'y a pas de cordonnier dans ce jeu, clairement. On peut pas acheter. Ah! Un petit bug. Non. Bon, petit dodo. Maintenant qu'on a le truc à gong, et on va taper quelque part. Non, mais il n'y a aucun marchand qui vend des chaussures. Hein. C'est quand même dramatique. Hein. Nous qui voulons au moins avoir des chaussures pour pouvoir marcher longtemps, c'est interdit. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter la maillotche à gong? Je ne pense pas. Voilà. Il a dit je dors, casse-toi. Sachant qu'en plus, je sens le piège. C'est-à-dire qu'ils vont faire une fusion digne de tous les... Regardez, il y a des cadavres ici. Ils vont faire une fusion digne de des Gundam ou des Sentai, là, comme ça s'appelle les Power Rangers. Et après, on va se taper contre les 4 gardiens de l'Apocalypse, là. Ah, voilà. En déclenchant tous les pièges, bien sûr, parce que sinon ça serait trop facile. Ah! Quelqu'un qui a couché quelqu'un d'autre. La goule, là, elle s'est couchée direct. Ah oui, Razad, il a fait un double coup, là. Bim, bim. 18 points de vie.
Eh ben, incroyable. Incroyable, Azad. Bravo. C'est fait. On peut faire dodo maintenant. Ça, c'est ce qu'on dit. Jusqu'à ce qu'il tape et qu'il fasse mal. Bon, est-ce que vous aussi vous en avez marre? Donc Raving Bell, pour te dire, là, au niveau des énigmes, il nous reste le gars qui veut faire dodo là. Je suis le fléau du guerrier, je vis dans l'obscurité de son âme, je le mets à genoux, tremblant et sanglotant, incapable de lever une main pour se défendre, donc pourtant je dors, réveillez-moi. Voilà. Pas trouvé encore. Et il nous reste... Vous n'avez pas encore ce que j'exige, je suis la folie du guerrier, je l'afflige de un, en volant sa passion pour le sang et en offrant en retour des sentiments plus cléments. On n'a toujours pas trouvé de quoi boire. Sur le vin. On avait dit qu'il y avait du vin quelque part. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Taper sur quelque chose. Mais si, on a une maillotte, mais pour taper sur ça. On n'a pas d'autre endroit où taper. Si, il y a un gong, quelque part. Vous avez vu un gong? Moi, je vois rien. Hein. Ah, si, il y a un gong, là. Non, c'est pas un gong, ça. Hein. Ça, c'est un truc pour viser. Attends. Il y avait un truc où on pouvait activer quelque chose. Encore. Le gong. Where is the gong? Attendez. On va aller checker. Il va nous dire, en cliquant sur l'objet, on va pouvoir lire à travers les mailles de l'objet et comprendre. Il faut trouver un gong. Incroyable. Allez. J'apprécie. T'as tout exploré, je pense. Hein. On va regarder la map, mais je vois plus rien. En contre-jour, c'est l'enfer. Regardez bien. Pic. Je pense qu'on a tout exploré. Ah si, là, il y a un gong. Là. Il se va te gong. Je peux toujours essayer. Non, attendez, on ne va pas un seul, s'il vous plaît. Facile. Si on peut éviter aussi les endroits où il y a des pièges, merci, on passe par là. Ça, c'est un gong, ça. En tout cas, il y a de la musique, on peut taper ici. Là, il y a un truc ici. Bon. Donc ça. Non, c'est le truc piégé, donc ça doit pas être ça. C'est chiant. Pardon, excusez-moi. Sur le truc de l'épée. Bah non, l'épée, on l'a déjà fait. Il fallait juste lire. C'était déjà pas marrant. Ça, c'est un gong, ça, vous pensez? Non. On peut jouer aux échecs aussi, si vous voulez. Y'a rien. Y'a un gong, là, je vois rien. Vous voyez quelque chose? Moi, je vois que dalle. Là, y'a un gong? Non. Non. Ça, c'est toujours pas un gong, hein. On est d'accord? Ça, c'est pas un gong. Là, il n'y en a pas non plus. Il faudrait revenir ici? Non. Un gong en plein milieu de la salle? Impression. Il y a une sorte de miroir là, mais c'est pas ça. Non. Non. Voilà, il faut peut-être remonter. Hein. C'est là où je suis. Mais ça, c'est pas un gong, ça. Ah si, là. Lol. Il n'émet aucun son, mais vous sentez une légère vibration. Là, franchement, si c'est ça, les énigmes, on va juste abandonner, en fait. Hein. Mais en fait, on n'a pas envie de te voir. Tu es qui? Un zombie? Meurs. Voilà, salut. C'est bien de t'avoir. On va voir qui va réagir. S'il nous dit, ouais, c'est moi, je dormais là. Ou j'ai besoin de lit et de boire la passion et le sang. Et qu'en fait, c'est juste un gong. Nick. Non, mais c'est vraiment ça là. Attendez. Rappelons cette énigme. Alors, ça c'était celle où il dit je fais dodo là. Elle est où? Je suis les destins des guerriers, je les élève au-dessus des élèves, c'est ça hein? J'amplifie ses exploits, oui c'est ça. Et elles deviennent, alors, un jour où Yael avait du respect, ils deviennent des géants, où Yael n'était que des humains, pourtant je manque d'honneur, enlève-moi de ma gloire. Non, ça c'est l'épée ça.
crois. À travers la transmission de connaissances, nos épées doivent... Non, c'est pas ça. Ça, c'était le dodo, là. Je suis la malédiction du guerrier, je vole son futur, je maudis son passé. Le plus ils ont, le moins ils semblent, et ils deviennent esclaves de ces choses qui brillent. Pourtant j'ai la dalle. C'est ça? Ah non, c'est ça. Je suis le fléau des guerriers, je vis dans l'obscurité de son âme, je le mets à genoux, tremblant et sanglotant, incapable de lever une main pour se défendre, pourtant je dors, réveillez-moi. Ni hey, mais... D'où c'est un gong? Excusez-moi, hein. Là je suis vénère. D'où c'est un gong? À quel moment tu peux trouver sans une solution? À part, tu trouves un truc, et tu te dis, comment tu peux avoir une liaison entre ce truc-là et le mec qui dort? À part, ouais, il faut le réveiller avec un gong? C'est profond. Ça fait un peu ta gueule, c'est magique aussi. Ah là 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 là. Bon, la dernière. On va se faire taper après, bon, voilà. Et je sais même pas si on aura le temps. Je suis un peu vénère, hein. Je tiens à le préciser, là ça m'a énervé. Je pense qu'on va vraiment s'enfuir de ce truc-là. On va voir comment ça va se dérouler, mais je pense que c'est fini après. Ça a toujours été ça. Non. Excuse-moi, c'est... certains MJ peuvent faire ça. Donjons et Dragons. Il y a un moment où... Tu vois, moi j'ai pas joué à Baldur's Gate, autre que celui-ci. Je suis désolé, ça donne pas envie de jouer au jeu quand tu te retrouves face à des énigmes où en fait le truc c'est... La seule phrase qui compte, c'est comme dans les mathématiques, c'est-à-dire c'est la dernière phrase. Bon, je vais juste passer aux toilettes 3 secondes, j'arrive. Je vais essayer d'expliquer un peu mieux Vent de Tempête. Attendez, parce qu'il faut que je me rappelle de quel bouton. Oui, c'est ça. Alors, je vais essayer de cacher. Du coup, ça ne sert plus à rien d'avoir Discord, hein. On est d'accord. Parce que au final, ils ont dit on s'en fout de la logique. Bon, bref. Alors, tout ça pour dire. Pour moi, mon problème. C'est peut-être que je suis un peu jeune quand il est sorti, mais quand il est sorti, il a été considéré comme le meilleur jeu quand même de 97. On va pas se mentir, c'était une grosse attente, il y avait beaucoup de gens qui jouaient au JDR encore à l'époque, il y avait Magic qui avait fonctionné juste avant, enfin voilà. Bref, il y avait tout en place pour pouvoir accepter un truc de Donjons et Dragons en mainstream, d'accord? Le truc c'est que en 97, il y avait aussi les personnes qui ont commencé à avoir un ordinateur en 95. Il n'y avait pas que des vieux, il y avait aussi des petits. Donc, par exemple, moi. Je n'avais pas un ordinateur pour faire tourner ce monstre de 6 CD et de 90 millions de gigas. Faut bien penser qu'on parle pas de gigas, mais de beaucoup de MO quand même. Hein. Donc, bref, pas grand monde pour pouvoir y jouer, mais. Malgré tout, il y avait quand même une grosse fanbase et donc des gens qui avaient la possibilité, grâce à leurs parents, d'avoir accès à ce genre de jeu-là, qui était quand même demandeur, d'accord?
Moi, ce qui me dérange, c'est que quand on fait une énigme, comme dans Professeur Layton, par exemple, quand on fait une énigme, faut qu'il y ait quand même un sens, en fait. Et là, je trouve que même si tu as un sens, comme Myst, hein, par exemple, Myst, il y a des trucs où il n'y a aucun sens aussi, même si c'est un sens chercher midi à 14h, bref, voilà, vous avez compris. Mais là, il n'y a pas de sens autre que la dernière phrase, quoi. La me flingue. Et, ça, et en fait, c'est fatigant parce que c'est un peu comme l'histoire de la prison que j'ai trouvé un peu dommage aussi. C'est que le lore te l'impose dans le sens où ta gueule c'est du lore, ta gueule c'est du. Voilà, bref, c'est magique, etc. Voilà, et c'est de te manfuck de quoi en fait? En fait, c'est ça le truc. C'est que je veux bien que ça se passe, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne comprenne pas et que, tu vois, j'accepte, entre guillemets, le fait que je suis pas très doué en énigme. Ça, j'accepte. Mais par contre, faut quand même que l'énigme elle ait un sens. T'amener sur des fausses pistes. Oui, mais c'est ça. Moi, je suis pas là pour pouvoir faire des problèmes de mathématiques où on te dit 15 millions de trucs pour dire à la fin, bah en fait, calcule combien de. Quelle est la couleur de blanche du cheval d'Henri IV, quoi. Oh, j'ai appris un truc. Et maintenant, en parlant de ça. Oui, mais ça, on est d'accord. Mais par contre, il y a des. Là, par exemple, là, c'est. T'es censé découvrir l'énigme, on est d'accord, Grande Tempête, quand même. Trop... Là, on cherche. Là, ça fait combien? Ça fait une heure et demie que je suis... Plus qu'une heure et demie, parce que la dernière fois, on avait déjà cherché. On cherche à avoir un sens. Sauf que là, tu vois, t'as ton maillet. Ok. Maintenant, on a une pièce de moteur. Donc, j'imagine qu'on va aller voir l'interrupteur de moteur, là, ici. Mais... Ah non, c'est là. Bon, on va aller là. Bah ben, voilà. C'est fait. Et donc, du coup, tout ça pour dire... on va, sans doute, devoir... Oh totalement gratuit ça. Ça c'était totalement gratuit. Si je meurs là maintenant tout de suite, je suis pas d'accord. Ouais. Oui mais les fausses pistes c'est intéressant, mais en fait le truc c'est qu'il y a, il faut quand même qu'il y a un but dans ta fausse piste. Là il y avait pas de fausse piste autre que bah en fait t'as trouvé des trucs en cherchant pendant 500 ans. Moi pour moi c'est en fait c'est, je vais être plus clair. Pour moi c'est tu vois, quand on dit Baldur's Gate Enhanced Edition ou je sais pas quoi, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que dans le sens où, ça, c'est pour dire mon jeu prend tant de temps à jouer. Pour moi, c'est pas le jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, dans le truc, c'est qu'on me fait patienter, en fait, dans un... Ah bon, je suis trop loin? Pourquoi? Oui, bien sûr. Ah, mais je lâche plus près? Mais il faut le mettre en marche pour commencer à presser. Et là, il marche pas, là? C'est qui a le truc de... Pressoir à 20. C'est un pressoir à 20, d'accord. Il faut mettre en marche pour commencer, d'accord. Et la mise en marche, elle est où? Il faut appuyer sur quel bouton? Ah, là! Waouh! Mais faut viser! Oui, c'est ça. En fait, il y a un truc. Alors, je suis d'accord avec la menu, sur le coup. Ce truc-là, il y a des manières d'écrire, tu vois, par exemple, qui se trouvent. Un panneau de commande de cette étrange machine, l'interrupteur semble avoir été arraché. Mais oui, d'accord. Et du coup, j'ai fait quoi avec l'interrupteur? Je me touche, c'est ça? Enfin? C'est bon? Donc. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des trucs où tu peux te dire, c'est écrit comme ça, tu vois. C'est, entre guillemets, poétiquement mis en valeur dans l'écrit de Advance Donjons et Dragons, etc. Soit t'as les personnes qui suivent absolument le texte et les personnes qui essayent d'améliorer par rapport au personnage. Par rapport au personnage ou par rapport à qui joue. Ah oui, oh non, le raisin, non! Non, le raisin, non! On a dit qu'on ne prenait pas en plus. On n'avait pas besoin, on avait dit. Oh mon dieu, le raisin qui est là. En fait, je vais renvoyer quelqu'un qui marche vite. Razad. Razad. Voilà, cache-toi dans l'ombre, s'il te plaît, histoire que tu te fasses pas repérer et on va faire des chemins. Parce qu'apparemment, c'est ce que tout le monde fait. Là, hop. C'est bon là? Non? Quand tu veux. Hein.
Toujours pas? Ok, je peux aller mourir. Non mais arrêtez de me spoiler alors que le raisin il est même pas là en plus. Il est où? Il est là? Oui. Allez hop, on se barre. Non mais regardez-moi ce temps. Pardon, j'allais dire un gros mot. Voilà, merci de passer au bon endroit s'il vous plaît. Ah! Une araignée. Continue, 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 on s'en fiche. On continue. Elle ne fait que sauter. Elle ne fait que sauter à travers différents plans que les basiliques ne peuvent voir, sauf quand on est invisible, bien entendu. Voilà, allez, hop. Défoncez-la. Ça, c'était gratuit, c'était pour elle. Cadeau. On a une bouteille? Ah bon? On avait une bouteille. Oh, oh, oh. Bon, on va savoir enfin à quel jeu on joue. Maintenant. Oui, bien sûr. Donc ouais, ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a... J'aime bien le côté lyrique, hein. Il peut y avoir des côtés lyriques, etc. Mais en fait, il faut qu'il y ait un sens, malgré tout, à la poésie et au lyrisme. Là, par exemple, le fait de d'avoir une énigme, que ce soit un peu compliqué, ça, pour moi, ça me va. Par contre, faut qu'à la fin, tu te dises « Ah oui, j'ai été con », comme quand tu joues à Professeur Layton et que tu foires 15 millions de fois, et que pour tricher, t'as bien sûr fait sauvegarder chargé à chaque début d'énigme. Voilà. Allez, donne. Vas-y, vas-y, donne. Je suis l'amour. Je dois être assassiné dans cet endroit maudit. Ah bah super. Et voilà, regardez bien tout ce qui se passe. Donc, monsieur fierté, monsieur effroi et monsieur amour. Bien sûr, il y a des lanceurs de sorts, tout ce qu'on adore. Et bien sûr, il y a un sort qui s'est déclenché ici. Lol. Allez, on se barre. On se barre. Razad, tu peux survivre. Alors, pas. Moi, je soupçonne qu'on va aller, on va utiliser les pièges contre eux. Mais bon, ça on en parlera un autre jour. C'est comme si c'était fait. Et maintenant, oui, hop, mettons-nous ici. Hein. On va se cacher. Là. C'est fait. Attention, on va faire la technique comme on fait d'habitude. C'est-à-dire les attirer quelque part pour les taper. Mais c'est Dorn là. Dorn, tu peux bloquer l'entrée si tu veux. Et maintenant, où? Donc, on va se mettre ici pour eux. Facile. Le serviteur de à vos ordres. On va attendre Dorn. Pourquoi tu ne vises pas à distance, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Passons aux choses sérieuses maintenant. Attention, c'est le combat. Et le combat. Et tout le monde est gelé, c'est magnifique. Ah! On a eu quelqu'un! On a eu fierté! Voilà, maintenant vous n'avez plus aucune fierté. Lol. Vite, vite, vite. Piquez la vie à ce mage là. Est-ce qu'on peut donner de la vie à quelqu'un tout de suite maintenant? Non, on va faire un truc. On va se mettre si en retrait fait. Déjà. Voilà. Si tous les deux vous pouvez rester là bloqué, ça me va. Vas-y, lance là! Tu fais quoi? Pourquoi elle lance pas elle? Vite, donnez-lui de la vie à l'autre là. Il va mourir. Oh là 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 là. Regardez combien de temps elle a pris pour lancer son sort de l'enfer là. J'en peux plus. Bon, on a compris que ça allait bien se passer, hein. Donc on va faire un truc. Vous êtes une bien étrange personne. On va se positionner. Donc, nous, on est la technique du... On utilise les pièces. Peut-être pas Razad, parce que du coup, c'est Razad qui va les attirer. Pour le groupe. Mettre là. La technique de... Oui, venez un à un dans cet endroit très sombre que nous utilisons actuellement pour pouvoir vous piéger. Razad.
Non, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Allez, on s'enfuit. Ah, mais il est bizarre, lui. Merci. Voilà. Venez si vous avez envie de venir. Bon, on les a déclenchés, apparemment. Et juste ça. Voilà, on peut descendre au deuxième étage maintenant. Bon, ils sont tous morts dans leur truc. Tu vois, par exemple, tu vois, ça c'est un piège constant pendant tout le combat. Invisible. Avarice est invisible, ah bon? Moi j'attends qu'il ait fini d'utiliser ça. Pourquoi vous venez pas au fait? Vous êtes parti où? Vous êtes mort? Ah non, vous êtes... Ils attendaient aussi. Ouais bon, on va vous prendre un par un si vous voulez, hein. Y'a pas de problème. Pourquoi il est pas... Il était pas juste derrière moi là? Pourquoi il rentre pas? Ils font le tour? Ils arrivent par derrière? Ah bah il a pris un coup de ses potes, lol. Lol. Ah du coup ça va se passer comme ça, d'accord, ok. J'adore ce jeu. Alors vas-y. Ah c'est bon là? Ok. Alors lui c'est un lanceur de sort. Tuez-le. Je veux le voir décéder dans quelques temps. Attends. Si c'est possible. Prends ta petite potion là. Azad, prends ta potion. Prends ta potion. Oh, ça prend 600 ans pour juste prendre sa potion, voilà. Regardez le mec il die. Et en plus, il jette un sort. J'ai que ça à faire, hein. C'est pas possible, le mec il die, il a lancé son sort, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est pas possible. Alors, repositionnement des ailiers gauches. Repositionnement des milieux de terrain. Sauvegardons, bien sûr, parce qu'on peut sauvegarder la strat. Et ouais, la strat toujours efficace. Hein. On va même faire dodo tellement qu'on est efficace. La strat qui fonctionne toujours en fait. Hein. Y'a pas besoin de mage. On a juste. Ça pour faire dodo. Milieu de terrain, s'il vous plaît. Arrière. Oui, c'est fait. S'il vous plaît. Non mais en fait, ça me fatigue. Ça me fatigue. Allez, le libéraux. En fait, ça pourrait être simple. C'est juste que là, le truc, c'est que c'est gratuit. Il y a des trucs qui spawnent tout le temps, donc ça sert à rien, en fait. C'est vraiment, genre, juste combien de temps tu vas prendre pour pouvoir juste les tuer sans mal. Ah, c'est bon, maintenant, on peut sauvegarder? Ok. Allez, on continue. On va essayer d'aller au moins jusqu'au deuxième étage aujourd'hui, si c'est possible, sachant que je dois partir, genre, dans 15 minutes. On a 15 minutes pour finir. Non, mais tu peux venir. Tu as le droit de venir, petit. Allez. Voilà. Tu veux venir dans cette salle? Regarde, elle a l'air sympa, cette salle. On est juste en train de t'attendre pour fêter ton anniversaire, bien entendu. Tu veux pas rentrer? Si tu veux pas rentrer, on peut s'amuser dehors. Hein. Là, j'ai lancé mon sort. Lui, là. Résistance à la magie. Il a dit, Nick, bah, si tu veux faire du corps à corps, on est là. Hein. Y a pas de problème, hein. Regarde, il y a toute l'équipe. On est là exprès pour le corps à corps. Voilà. Razad, tu peux même faire un truc si t'as envie. C'est t'amuser à faire genre juste. Oui, bonjour. Je lance des kamehameha. Ouais, bah apparemment on peut faire dodo pendant ce combat. Puis-je vous aider? Oui, garde la vie. Y a pas le choix. Pourquoi tuer? Mais voilà, regardez bien. Lui là, il veut absolument mourir
Donc il a décidé de sortir de son super champ de tir. Parce que c'est quand même notre meilleur archer. Voilà, regardez, il l'a tué d'un coup. Pourquoi? Pourquoi veut-il qu'on le course? Une plaie béante sur Mère Terre. D'accord. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. Ouais. On va peut-être arriver à passer au niveau 2. Il nous en reste 2 ou il nous en reste 1? Je sais plus. J'ai pas compté. Et maintenant, une tâche facile. Oui, aux figures autoritaires à vos ordres. Ah, ici. Erazad. On a sauvegardé, hein. On sauvegarde, au cas où. Non, il nous en reste 2. Ok. Je l'entends. Il arrive. Donc lui, c'est Avarice. Avarice, bonjour. Trop dur. On va ramasser ça parce qu'on va en avoir besoin. C'est comme si là, on a même pas pris de coup, je crois. Majoritairement parlant du temps. Bon, le dernier, c'est un lanceur de sorts, donc on risque d'avoir un problème vu qu'on est en mauvaise position. Et en plus, apparemment invisible. Sauf que je peux lui faire la paume solaire dans sa tête, juste pour voir s'il réagit déjà. J'entends, mais il n'arrive pas. En tout cas, Effroi, il est en train de brûler. Hein. Ça a mieux marché. Hein. T'es là, Effroi? On peut réessayer, si tu veux. Est-ce que Razad va... Ah, Razad, il peut le tuer tout seul. Allez, vas-y, vas-y. Ah, c'est fini. C'est fini. Ah non, il prend pas des coups physiques, lui. Ah là, allez, cassez-vous. Lui, il faut lui lancer des sorts, hein, j'ai cru comprendre. Alors. Je peux toujours essayer. Voilà. C'est fini. Et t'es pas obligé de lancer des sorts s'il y a personne, en fait. You're not obligated to that. Regardez, elle va lancer son sort alors qu'elle en a pas besoin. On prend ça, l'épée courte. Ça a l'air bien l'épée courte. Allez, hop. C'est bon, on a fini. C'est fait. Il manque qui là? Ah, oh, c'était dur. Regardons. Dormons. Les blèmes vont arriver parce que de toute façon ils sont en boucle. Eh oui. Ouais. Maintenant on va pouvoir descendre. C'est bon? On va voir du coup à quoi on va être mangé. Ah, il y avait de la lecture ici quelque part, je crois. C'est fait. Ouvrons toutes les portes. Non, on peut pas. Il y a de la lecture, par terre. Ok. 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 Ok, ok. Je vois pas comment on pourrait faire la différence entre des gens qui sont ici et des gens qui ne seront pas ici. Logiquement, je pense qu'on va pas avoir de problème. Une tâche facile. Allez. Il n'y a plus de piège, hein, bien entendu. Les profondeurs moirées de cette tapisserie, la silhouette voûtée d'un doppelganger ou des visages méchamment. Ce regard semble vous suivre, obliquant parfois les statues couvertes de toiles d'araignée qui gisent de côté. Ce ne sont pas des toiles d'araignée, hein, c'est juste des gens qui vont nous taper. Un moment. Là, là. Faut prendre ça, là. Ça, là. Regardez. Je ferai de mon mieux. Où ça, on peut pas toucher? Verrouille. Ok.
Positionne-toi là. Une tâche facile. Moi, je m'en vais. Et ben voilà. Acceptons ce funeste. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui meurt ici. Et bah si tout est fermé, tout est fermé, hein. Facile. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en vais. Peut-être qu'on n'a pas le niveau, hein, tout simplement. Ça, c'est un sort, là, que je lance? Non, je suis pas d'accord, là, par contre. Je suis pas d'accord. Faut taper qui pour pouvoir passer? On est d'accord que c'est pas un sort, la capacité de... Je mets quelque chose dans une serrure pour l'ouvrir. Parce que, à la limite, la découverte des trucs, ok. En l'an de la tourbrousson, on est d'accord que tu peux pas ouvrir un truc. On abandonne tout de suite, là. Oui, bien sûr. Tout de suite. Oh là 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 là. Il y a quelque chose au sol, encore. Ils ne sont guidés par la rage ou la colère de Bungager, c'est pas fluide. Ok. Ok. Et si on se disait... C'est le fait. Mur n'existe pas. Apparemment, le mur existe. Et de l'autre côté, le mur n'existe pas. Apparemment, le mur existe. Ok. Ok. C'est fait. Je peux taper, genre, ni vu ni connu sur quelque chose. Ok. Les autres ? Ah, j'ai pas vu. Je regarde. De toute façon, là, on va s'arrêter. Hein. C'est juste pour voir à quelle sauce je vais quitter ce jeu. En vrai. Attendez, le curseur, il dit non. 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 Oui. Incroyable. Les salles résonnent d'un bruit de meule. Non, non, oui, non, non, non. Ok. C'est fait. C'est fait. Oui, oui, c'est ça, tout est verrouillé. Alors moi, je veux juste voir à quelle dose on va se faire bouffer, hein, parce que sinon... Ah, du coup, je prends des trucs et ça s'ouvre, ok. Bon, on a tout pris, là. Il y a quelque chose au sol. Je l'ai pris ? Attendez. Et disposez-vous mieux là, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oh là là là. Oui, là. Oui, bien sûr. La politesse, tout ça, les gens. Et maintenant, oui, bien sûr. Il y en a deux. Je nécessite de t'aimer, c'est ta forme qui m'ont poussé à tuer, mais on l'a déjà lu. Hein. Ah! Ah ah! Est-ce encore un piège qu'on ne peut pas désamorcer d'après vous? Oh oui, je veux bien. Attendez, on jette ça parce qu'on n'a pas besoin. Trop cher les potions, faut prendre. Hein. Ok. Je peux parler. Attends, Roland de la Tourbrousson, nous avons besoin de vous. C'est fait. Il y a tellement
endroit où je... Comment j'ai pu éviter tout ça? Attendez. Moi, je m'en vais. Allez, allez, prends tes points de désamorçage. Reste ici. Oui, oui, bien sûr. Vas-y, on a vraiment plus de place, là? Ça, c'est quoi, ça? On en a vraiment besoin, ça? Ah oui, 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 oui. Bon, d'accord. Qui a de la place? Je vais lui parler ou pas? Déjà, il a rien à nous dire, il a dit. Et je veux pas te parler. Ok, sauvegardons. Ouvrons ça. Je m'en vais. C'est fait. Un autre endroit qui s'est ouvert quelque part. Non. Non, ressortir, je vois pas pourquoi on... Le jeu décide de jouer comme ça, donc on va jouer comme ça. Bon, il y a un truc à faire avec la discussion, je pense. On va lui parler, vu que c'est un animal, peut-être que c'est ça. Non. Cadavre ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est ce qu'on a déposé. Ok, on s'en fiche. Par ici ! Ah ah ! Vas-y ! Oui, on l'a déjà fait. Faut le refaire. Comment là ? Verrouillé. Nique, hein. Là, il y a un piège, mais on le voit pas. Bon, bah voilà. Hein. C'était bien, hein. Alors, il y a des têtes en tout cas. Hein. Cette porte est ouverte? Non. Non. On a ouvert ici, mais après on peut aller mourir. Bon, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, c'est l'heure. It's time. Bon, bah c'était sympa. Merci, Vent de Tempête, hein, de nous avoir un peu aidé. Sympa, on va dire. Sachant que moi, je trouve que c'est un peu une perte de temps, mais... Dans la première pièce, j'ai pas cliqué sur une statue. Attends. Cette statue-là ? Par ici ! Elle. Elle, j'ai jamais cliqué sur elle. Est-ce que c'est toi ? Non. 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 Elle, on l'a jamais cliqué, mais elle veut pas. Celle-ci ? Elle est pas cliquable. Celle-ci non plus. Une statue. Une statue. Celle-ci, on l'a déjà cliqué, mais c'est pas une statue. C'est un globe. Trop long pour faire fonctionner ces trucs. J'ai entendu un bruit, mais je ne sais pas ce que c'était. Celle devant le tapis. Ah, ok, celle du tapis ne réagit pas. Non, elle a dit je m'en fous. Je m'en fous de ta life. Tâche facile. Bon, de toute façon, on sauvegarde. Et bien sûr, on joue dangereusement. N'oubliez pas, nous jouons dangereusement. Nous allons. Sauvegarder la partie. L'appeler du bon nom. Professeur Durlag, du coup. Bien entendu, parce que c'est tout à fait le style de jeu. Et bien entendu, on va bien sûr supprimer tout. Parce que nous, on joue dangereusement.